lune juste là. Tu vois la lune et tu vois... Enfin, tu vois la pleine lune et tu vois la lune. Enfin, tu comprends ce que je dis ou pas? Julie, on fait quoi? Le week-end. J'ai récupéré Roger. Ce matin, le lever de soleil que t'as vu, c'était dans le bus. On a pris le bus de Manjima à Bunbury, après un autre bus pour aller jusqu'au garage. Et on a récupéré la voiture. Merde, je pensais qu'il mettrait plus de temps. Je t'explique après. Voyage était tellement chaos que j'ai pas repris la caméra pour finir le vlog. Mais ce que je disais, c'était que... Donc hier, avec Julie, on est allé récupérer Roger. On a dû prendre deux bus pour arriver au garage. On récupère la voiture. J'ai payé beaucoup d'argent. Et j'ai récupéré Roger. J'étais super contente. On s'en va, on conduit et tout. Et donc en fait, depuis le début que j'ai Roger, j'ai le voyant du frein à main qui est tout le temps allumé, même quand j'ai pas le frein à main. Mais je savais que c'était rien de grave parce que, bon, ça a toujours été comme ça, bref. Et là, en mettant le contact, j'ai vu que le voyant n'était plus là. Donc je me suis dit, oh purée, c'est génial, en plus ils m'ont réparé ça. Parce qu'en gros, c'était un truc, une histoire de... de genre, senseur qui... Enfin bref, on s'en fout. Pendant qu'ils ont fait ça, ils m'ont réparé l'autre truc, donc j'étais vachement contente. Sauf que du coup, ce voyant-là était éteint et j'avais deux voyants verts qui clignotaient au niveau, parce que c'est un 4x4, du coup il y a comme un dessin avec les quatre roues et j'avais les deux roues de devant qui clignotaient. Donc je me suis dit, bah ouais, je suis en train de conduire en deux roues vu que je suis en train de conduire en genre normal, en deux roues motrices, et donc ça doit être normal. Mais après je me suis dit, un truc qui clignote tout le temps quand tu conduis, c'est quand même bizarre. Donc j'envoie un message à Rob, genre j'envoie une vidéo du truc qui clignote et je lui demande juste, tiens regarde, apparemment mes voyants ils sont réparés, mais du coup il y a celui-là qui s'allume et que j'ai jamais vu, qu'est-ce que c'est? Et donc Rob me dit que non non, arrête-toi, tu peux pas conduire comme ça. En fait j'étais déjà arrêtée sur un parking parce que quand on a vu que ça clignotait, de toute façon il fallait qu'on aille faire des courses, mais on s'est dit, oula, on va attendre que Rob nous réponde avant de redémarrer la voiture. Bref, Rob me dit non non, tu peux pas conduire comme ça, patati patata. C'est qu'en fait la voiture essaye de se mettre en 4 roues motrices. Alors je sais qu'on est beaucoup à pas savoir vraiment comment ça fonctionne les voitures, etc. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que 4 roues motrices sur une route normale, c'est très mauvais. Voilà, tu peux perdre de l'adhérence, tu peux péter tes pneus, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc on a dû retourner au garage pour qu'ils voient pourquoi la lumière s'est allumée. Donc on était assises pendant genre bien 15 minutes par terre en attendant qu'ils réparent le truc, alors que ça faisait genre quasiment 2 semaines qu'ils avaient la voiture, et quand ils nous l'ont donnée, il fallait quand même la ramener. Donc on a fait ça. Et après on est parti, on a pris la route pour rentrer du coup pour le week-end, et je me suis rendu compte que mon horloge dans la voiture ne fonctionne plus, mon autoradio ne fonctionne plus, et mes prises USB ne fonctionnent plus. Donc au milieu du trajet pour rentrer chez moi, j'avais plus de GPS, je me suis retrouvée à faire des détours parce que je me souvenais pas de la route, blablabla, bref, trop chiant. Trop chiant, trop chiant, trop chiant. Je pense que c'est comme quand j'étais en Nouvelle-Zélande, une histoire de fusible. J'ai pas encore regardé. Hier je suis rentrée, il devait être 13h, 13h30. Le premier truc que mon coloc m'a dit, parce qu'il était en train de bricoler sur sa voiture, et au début il m'a demandé un coup de main, et quand j'ai enlevé mes lunettes de soleil, il m'a dit, t'as l'air d'avoir besoin d'aller te coucher, va faire une sieste. Pour te dire à quel point j'étais KO. Tellement KO que ça se voyait. Bref, j'ai pas réussi à faire une sieste, on allait faire des courses, on allait faire des trucs, parce qu'il fallait que j'achète d'autres chaussures de sécurité, parce que les miennes elles sont beaucoup trop grandes. Fallait que j'achète, bref, des conneries, fallait qu'on achète à manger pour hier soir et tout. Et je te jure que toute la journée, j'étais tellement horrible parce que j'étais tellement fatiguée que j'étais pas fonctionnelle, j'arrivais plus à m'attacher, c'est pas moi qui conduisais, j'arrivais plus à m'attacher, j'arrivais plus à rien faire. Donc je suis allée au lit super tôt hier. Et aujourd'hui, bon, j'arrête ce vlog parce que je vais essayer de le monter, on va sûrement aller faire une petite balade. Et tout ça, tout ça, tout ça, bref. Je pense que ce vlog est un peu plus court. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Le travail est
toujours cool, mais toujours très 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 physique et très fatigant. J'entends que le coloc va passer dans le couloir derrière moi, mais je ne le vois pas. Ok. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que tu as passé une super semaine et on se retrouve très vite. Bye!